Bonjour. Bienvenue à nouveau chez The Dingle Pork Hoppers. On vient d'avoir la meilleure nuit de notre vie. Ouais. Ah, c'est un peu bizarre de dire ça, mais... De dodo, de dormir. On est... Tu vois? On est une chienne PG, Puis... hein. on est au Chien. Ah, les livres. Les lits sont bons. Oui, on était hyper fatigués d'hier. En plus. Tu payes pour le lit, moi, ça vaut le prix, hein. Oui, ça vaut le prix. C'est hyper cosy. J'ai hyper bien dormi. Je pense qu'on s'est endormi à 9h30. Je crois. S'endormir directement. Directement. Il est Bon. 6h30 maintenant. Ouais. Je vais me laver les cheveux. On On va aller à va Starbucks. s'habiller. On va aller à Starbucks. Dans le Pumpkin Spice On Latte. va voir pour le meet à Ouais. l'hôtel. On va essayer de rencontrer Jesse Woody. Et après, on va au parc. Aujourd'hui, on va aller au studio. Oui. Bah, on va aussi aller à d'autres parcs, mais ce mois-ci au studio. Et on verra ce qu'on fait. Et si vous avez la chance de nuit se balader dans le chien, on va vous montrer la vue qu'on a. C'est super beau. Fait encore noir. Mais il y a des lumières. Oui. J'adore dire si vous vous baladez de nuit, c'est beau. Ah oui, C'est c'est ça que je vais tellement... montrer. Ah ok, oui, c'est tellement beau. Oui, c'est pas encore... Ouais. Allez, à bientôt. On sera un peu plus frais bientôt. Alors, tu es heureuse, qu'est-ce que tu as? J'ai pris mon premier pumpkin spice latte Oui. de la saison. C'est la version iced Ok. parce que fait chaud Fait toujours. chaud. Mais bon, Et c'est l'automne qui arrive. Et puis j'ai pris un muffin aux myrtilles. Et toi, t'as pris un donut aux oui, myrtilles. on aime les myrtilles. Oui, ça a l'air bon. La Tu peux couleur est un peu goûter. bizarre, mais Tu ça a peux l'air goûter, bon. chérie. Ok, C'est super. le donut de Thanos. Oui, un peu, hein. Ah, il devrait avoir ça, Avengers Campus. Oui, tellement. Alors comme vous venez de voir, on vient faire le meet du coup avec... Alors on a eu Jessie. C'est possible que vous ayez Woody, on sait pas comment ça alterne. La dernière fois, on avait aussi Jessie et on fait Oui. toujours à 8h15, mais j'ai déjà vu, je suis pas sûre s'ils alternent pendant la journée ou si c'est le personnage toute la journée. Parce qu'il y avait des gens Oui. derrière nous qui voulaient Woody et ils sont partis. Oui. Aucune idée comment ça marche, on a Voilà. toujours Jessie. Mais voilà, sachez que vous pouvez avoir les deux. Mais donc effectivement, nous on a tout le temps Jessie. Et donc, comme j'ai montré, c'est à l'entrée du Red Garter Saloon, qui C'est est... l'extension du Chuck Wagon Café, non? Non, Parce non, que... non, c'est le saloon, Ah, le oh. bar. C'est le bar. C'est à l'entrée du bar, vu que le bar est fermé le matin. Il ouvre dans l'après-midi. Et donc c'est comme pour aller au bar, mais le rideau du bar est fermé, et c'est sur le côté en fait, que c'est là que vous rencontrez les personnages. De toute façon, quand vous arrivez, même avant le mythe, il y a souvent une queue pour les personnages. Donc vous allez voir où c'est, ça c'est Et parce pas... qu'on était là à 8h10 et il y Oui. avait déjà 5-6 groupes avant Oui, nous. voilà. On recommande d'arriver 5-10 minutes avant. À 8h, Parce direct. que... Oui, parce que c'est chouette de faire ça avant que tu vas au parc. Parce que nous, oui, dès que... Parce que Jesse traverse la réception pour aller au mythe, et Oui. la queue se remplit immédiatement. C'est-à-dire Et parce que... qu'il y avait beaucoup de gens, Oui, je pense peut-être que que c'était secondes après... 30 minutes d'attente. Voilà, quelques secondes après, il y avait une queue assez énorme, donc oui, arrivez à l'avance si vous voulez À voir le 8h, personnage. je disais, comme ça t'es Voilà. vraiment devant, je pense. Voilà, et comme ça après vous pouvez aller au parc le plus tôt possible. Parce que sinon oui, vous pouvez peut-être être là jusqu'à 9h. Donc après, si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on recommande d'y être tôt. Oh, je suis désolé.
Alors, très fun nouvelle collection de pyjamas. Regardez, c'est à nouveau la collection matin. Avec Minnie. Il y a Bourriquet. Et celui qu'on va prendre, parce que voilà, m'a été. Avec la fée clochette, Tinkerbell. Disponible ici, mais aussi au parc dans Emporium. Il y a des bijoux vraiment du parc qui sont disponibles. C'est pas Haribas. Et ils ont beaucoup de nouveautés. Je pense que ça, c'est un collier. Oh, vous voyez pas. Oui, voilà. C'est un collier nouveau. Et c'est avec des boucles d'oreilles aussi. Et on va à l'autre côté. C'est des boucles d'oreilles de la collection Paris. Super beau. Et oh, on tourne. Thank you. Bye. Je suis tellement fan de ça. Oh, vous avez rencontré les Dora Milaje? Je suis un guerrier allié du Wakanda. Et vous? Vous aurez vu les images. Et on commence avec un petit entraînement. Bah oui, il y avait 10 minutes pour moi la venue. On s'entraîne quand on est à Disney avec la marche, mais là on va faire les bras. Oh, je suis toujours fatiguée. Peter, c'est Peter. Vous tentez juste les bras dans la direction pouf et le tour de ses couilles. Peter, Spider-Man continue de se répliquer et déjà tout ce qu'il trouve sur leur passage. J'assigne le suivi de mouvement. J'assigne les profils de couleurs individualisées. Tu m'impressionnes, Spider-Man. Ça, c'est Maïté. Tu as résolu le problème. Oui, mais... Ça, c'est moi. C'était aussi ton idée. Ça, c'est moi. J'ai gagné. Les oreilles. Les oreilles, j'ai déjà. Oui, et le sac. Je vais le jersey. Oui, le sac est beau aussi. C'est un peu comme la statue dans Multiverse of Madness. Oui, c'est beau. Là, on a le nouveau restaurant préféré de Maïté dans quelques. Je vais monter. Oui. Voyage. Ça va être beau, hein. Ça va être beau. Ça fait très conte de fées Paris. Ça va être juste à côté de l'attraction Réponse. Restaurant manger avec les princesses à nouveau. Lui il cache des secrets, lui. Mais il va rencontrer Réponse, ça. Oui, ouais, il sait, là, il regarde, il nous nargue. Ça va être beau. Très, la princesse et la grenouille, j'espère qu'il y aura Tiana. Ah oui, oui. Ouais, j'espère qu'il y aura. Tiana, Réponse. C'est à côté de l'attraction Réponse, donc j'espère qu'il y aura. J'espère que ça sera les nouvelles princesses qui seront plus mises en valeur. Oui, j'espère que ça sera. L'auberge de Cendrillon, c'est très classique, donc ici que ça soit les plus récentes, ça serait chouette. Et là, donc, la fameuse attraction réponse. Donc, oui, ça sera des tasses. C'est pas un dark ride, mais quand même, si c'est des tasses qui ressemblent à ça, ça va quand même super beau. Hein. Je pense aussi que ça va devenir une attraction rapidement préférée de Maïté. Hein. Bah oui. Bah oui. Ça réponse. Ça va être très très beau. Et au moins, c'est pas que des toilettes. Hein. Oui. Pas que des toilettes. Voilà. Parce que Disney World, parce que je sais, on est tout un peu jalouse de Tokyo. Voilà. Mais à Disney World, ils ont des toilettes. On l'a quand même meilleure que d'autres parcs. On a une attraction et on va avoir un point mythe. Bah, il y aura le petit bassin avec le bateau. Et il y a la question s'il y en aura rapidement sans mythe, oui. Ouais. Voilà. Merde, on va parler de toutes ces merveilleuses choses qui nous attendent dans le futur. Parlons de ce qui vient de se passer. Non, et non, j'ai non. Écrasé Maïté. Tu peux pas expliquer pourquoi. Oui, tu parce que j'ai refermé le. T'as gagné le web. Mais il faut expliquer pourquoi. Il y avait. Donc, moi j'étais à côté, vraiment un genre. Attends, explique parce que je dois fermer mon sac. En fait, nous étions que deux dans, dans le véhicule. Ce qui est un peu dommage parce qu'on a tous les deux fait des gros scores, donc on aurait peut-être pu avoir un score d'équipe aujourd'hui. Mais bon, on n'était que deux. On était au milieu, genre le deuxième.
Voilà, elle s'est mise complètement à gauche. Oui, moi complètement à gauche. Un siège à côté, donc l'un des deux sièges du milieu. Moi, j'avais que ça que je pouvais faire. Parce que j'ai essayé de faire ça et rien ne marchait ici. Vraiment pas. Lui, il avait ça. Parce qu'il pouvait faire ça, il pouvait faire ça, il pouvait faire ça. Sinon, t'admets. C'est assez obscène, les gestes, je sais pas ce qu'il fait. Sinon, t'admets juste que t'es juste en train de perdre moi, ton. Moi, j'avais ça. Toi, j'avais ça. Ça fait deux fois que je te parle d'affilée. Oui. La dernière fois aussi, je l'ai battu. Toi, tu avais ça. Parce que je t'ai explosé quand même de 40 000. Hein. Moi, j'avais. 312 000. Ça, j'ai battu mon record. Donc, c'est exceptionnel. Elle a fait 275 000. C'est très beau aujourd'hui à nouveau. C'est très beau, ça va encore. Comment hein, ça fait chaud. Commence. Donc on a vu Woody. Oui. Qui nous a fait un gros câlin. Oui. On a fait la tour de la Terre. On a eu des créatures. C'était assez terrifiant. C'est une des attractions préférées. Oui, moi aussi. J'ai peur dedans. C'est tellement fun. Et on a fait Cars Road Trip. Oui. Voilà. Et maintenant, il y a beaucoup de monde, mais on arrive à faire. Faut juste aller. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de monde. Et on va maintenant se rediriger vers le studio. Oui, on va. Campus. Non, oui, on est dans les studios. Pour aller manger et on va essayer de faire Alice. C'est peut-être Alice. On est très fun, on va essayer de le refaire. Oui. Voilà. Je n'ai pas le temps. Raccroche, ma gueule. Je crois qu'elle n'a pas raccroché. Salut Nat, tout va bien? T'as besoin d'aide? Non, pas besoin d'aide. C'est ce que je pensais. J'envoie du renfort.
collection Pandora des méchants juste à temps pour Halloween. Hein. On a la reine de cœur avec la carte. Ça, c'est de Blanche-Neige. Ouais, la méchante reine, Cruella, on a Maléfique et on a la pomme, bien sûr. Juste à temps pour Halloween. Ah, on a le roi lion juste en dessous qui est ressorti pour les 30 ans il y a quelques mois. On a plein là, on a la bague aussi, on a bébé Simba, on a Timon et Pumba, vous avez Shura aussi. Et le bracelet spécial au roi lion aussi. On est de retour au parc. Oui, enfin, on était dans le parc. Oui, on est de retour au Disneyland Park. On a quand même bien rempli notre journée au studio. Oui, on a mangé. On a mangé shawarma. Oui. Deux shawarma et une très bonne salade César quand même. Oui, c'était. Mais pourquoi tu viens si proche de moi? Pardon. Je sais pas. C'était bon, mais c'était quand même dommage parce qu'avant il y avait une autre sauce. Oui, pour le shawarma. C'était les caviar de poivron. Je crois, oui. Shawarma maintenant. C'était plus là, je sais pas depuis quand. Ah, c'est l'annonce du spectacle. Je trouve ça dommage parce que j'aime bien le mousse, mais c'est moins de goût. Oui, maintenant il n'y a que Homo aussi, il n'y a plus le choix. C'est un peu dommage. C'est probablement que les personnes ne connaissent pas le. Oui, probablement, mais je trouve ça dommage. Bon, mais bon, on a bien mangé. Ça reste très bon. Oui, oui. J'aime bien manger au studio. Oui. Donc, il y a plus, très bon choix. Pas plus d'options, mais de meilleures options. Oui. Ensuite, on a vu Alice. Oui. Alice a gagné à nouveau grâce au prix de Maïté. Oui, elle gagne toujours, mais c'est moi parce qu'il y avait personne, tout le monde criait pour la reine des cœurs, c'était incroyable, mais moi je fais un son très aigu, oui, ultrason, voilà. C'était notre dernière fois aussi du coup. C'était notre dernière fois probablement. Le spectacle part en pause le 30 septembre. Oui. Supposément il reviendra au printemps l'année prochaine s'il revient. On sera là dès le printemps pour le revoir. Voilà. Et on a fait Together après, juste après. Quoi ? Exactement. Et on n'a pas eu beaucoup d'attente pour les deux. C'était genre 10 minutes. 10 minutes on arrivait 10 minutes avant que le spectacle commence. Et... Super, oui. Together, très bien. Très bien. On a fait encore des attractions ? Non, je crois pas. Non. On a fait Cars Road Trip. Je crois que c'est pas si on allait. Je crois qu'on l'a dit, si on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit. Je ne me souviens plus de ce qu'on a dit il y a 4 heures. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas. On verra. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des commandes. Oui. Les fameux churros de Frontierland. J'adore. C'est voilà. Mon snack préféré. Ils sont super bons. 5,50. Moi j'ai pris chocolat. Moi j'ai pris caramel. Voilà. 5,50. Mais pour 7 euros, vous avez la pause goûter avec une boisson chaude. C'est où ma boisson chaude? Je savais pas que t'en voulais une. Ah oui. La prochaine fois. Ok. Je suis en train de battre. Il pleut. Il pleut un peu. C'est pas mal quand même. La parade sera probablement pour demain. Donc c'est, c'est dans 25 minutes. Donc pour rester dans l'atmosphère. On est à Phantom Manor. On va faire Phantom Manor. Voilà. Donc une autre attraction. On a fait beaucoup d'attractions ce voyage. Hein. Il nous reste une journée entière et on a déjà fait pas mal d'attractions. Oui, mais ça va. Ça va. Il y a de la foule, mais. Les attractions, ça va, j'ai l'impression. On est midi, il y a beaucoup. Mais même, parce qu'on a fait, on n'a pas encore dit, mais on a fait le pavillon de princesse. Oui, oui. Maintenant, il s'est affiché 80 minutes. Pourquoi les gens font ça et nous, on fait ça? Les gens coupent. En fait, toute la queue est ouverte, mais il n'y a pas toute la queue qui est remplie, mais les gens coupent là. Et nous, on est en train de se balader. On est tellement débiles. Regarde comme c'est beau ce moment, chérie. On est en train de faire une visite immobilière. Hein. C'est un très beau, j'aime bien. Très beau jardin, très belle salle de danse. Ah oui, je pourrais habiter ici. Il y a des gens qui commencent à le suivre. Ouais. Ils se disent, ah peut-être quand même on va les suivre, c'est pas juste. Mais bon, oui, on a fait le pavillon, on avait Blanche-Neige. Oui. Peut-être les gens se disent juste, ah ils sont en train de vlogger, ils s'y connaissent et s'il faut les suivre. Following me,
Et oui, on a eu Marche-Neige, on a mangé des bons churros, c'est tellement bon les churros. On aime bien. Et maintenant, du coup, faites un winner. J'ai un peu filmé le manoir. On a pu filmer ça. On a fait Phantom Manor. Et parce qu'on pensait être trop tard pour la parade, on ne voulait pas le faire parce que oui, il pleuvait. Mais au final, on. Attends, je vais juste voir si c'est pas notre commande. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Oui, donc la parade, on ne voulait pas faire aujourd'hui, mais on est sorti de Phantom Manor. Tu es encore allé aux toilettes. Oui. Et oui, on arrivait au hub. Le char était sur le hub. Oui, le char de Mickey était déjà presque. Oui, parce qu'on est quand on est dans l'arcade, il était au Casey's Corner. Donc oui, en fait, voilà. On a suivi le char de Mickey. Mais bon, on a suivi la parade, mais on est allé par les arcades. Oui. Et on est arrivé au. Waouh! Town Square. Ça va plus. On est arrivé à Times Square et on a vu qu'il y avait encore une petite place parce qu'il laisse un couloir. Oui, pour que les gens passent. Que les gens passent juste en face de la gare. Ouais. Et on s'est mis juste oui, derrière les gens qui étaient déjà là. Et le moment où ils ont fermé le couloir, on a pu être... Premier rang. Oui, on était au premier rang. Ouais. Donc on a attendu 5 minutes pour la parade. Ah ouais, à peine, ouais. On a vu la parade, voilà. Premier rang. On a fait la parade. Et le dragon recrache du feu d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le dragon recrache du feu, donc ça c'est super. Après, on est allé au DLH, oui. Parce qu'on voulait voir s'il y avait encore une princesse et on a vu Belle. On n'a pas même, rencontré. Il y avait beaucoup de monde. On n'a pas rencontré Belle. Les gens étaient vraiment pas polis. Oui, très, oui. Vraiment une masse. C'était pas chouette, mais on s'est déjà demandé. On trouve ça un peu bizarre qu'en fait tu peux rencontrer une princesse Disney sans avoir un ticket. Oui. Parce qu'au final, oui, tu peux juste entrer dans le DLH, s'il y a le Royal Troop, tu peux rencontrer. On dit rien, on a aussi déjà fait, donc c'est pas aux fans, mais oui, on n'est pas sûr si on aime le concept, je pense. Moi, je préfère qu'ils gardent ça vraiment pour les guests. Oui, je comprends. Voilà, comme elle a dit, on l'a fait, on le fait on de temps fait, en temps, donc mais oui, il n'y a pas de jugement. Je comprends par tu... contre s'il ferme et je ne serais pas triste dans le sens que oui, je trouverais ça normal. Je trouve ça normal, parce que maintenant c'est pas chouette, tu vois, tous les fans connaissent les heures. Chose bien, je trouve, de la part des cast members, oui, ils disent même aux gens que c'est des enfants d'abord. Et ça, oui. Je trouve normal, si un enfant endort pour Disneyland Hotel, il a la priorité pour rencontrer une princesse. Parce que cette fois-ci, il n'y a aucun adulte. Aucun. Il n'y a aucun adulte qui a rencontré Belle. Non. Parce que c'était que des enfants. On pense quand même que, qu'elle est partie un peu plus tôt. C'est notre commande. Oui, c'est notre commande. Bah, je vais c'est prendre. Notre commande. Oui, je disais, il n'y a aucun adulte qui a rencontré tu Belle. Tu les entertaines pendant que je oui, je vais essayer. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants et on pense... Ah oui, c'était ça qu'on était en train de dire. On pense qu'ils ont interrompu le mythe parce que les gens, oui, commençaient à pousser leurs enfants. Il y avait des adultes aussi qui voulaient vraiment avoir une photo avec Belle et qui étaient plus polis du tout. Donc oui, c'était vraiment... L'atmosphère n'était pas top. Donc on pense pas le refaire. Et il est là avec la nourriture. T'as pris à emporter. On va. J'ai pris à. Elle a pris à emporter, on a un sac. Ben, on va vous montrer ce qu'on a pris. Bah oui, donc j'ai pris à emporter parce que oui, je parle pas bien le français, hein. T'as juste j'ai cliqué, pas que, j'ai t'es pas épuisé, con... t'as juste cliqué non, sur j'ai l'écran. Pas compris. Bouton, je pensais bouton. Qu'à emporter c'était ici. Voilà. On a un chicken chipotle. C'est pour moi.
Et on a c'est chipotle Hawaii. Chicken. Hawaiian barbecue. Allez. Voilà. On va manger. Au moins, si tu prends emporter, ils te remplissent la boisson pour toi, du coup. Hein? Quand tu prends un soda, il faut aller la remplir, mais oui, si tu prends emporter, c'est déjà rempli. Voilà. Pas besoin de faire ça. Allez. Voilà. On mange. On a la chambre. Voilà. On est de retour. On a mangé. Maintenant, on va se reposer. Oui, il est encore temps. Oui, voilà. On va regarder. Je sais pas pourquoi je fais ça. On va regarder des choses. Se reposer pour demain. Oui. C'est notre dernier jour demain. Oui. Mais on va quand même en profiter. Bah oui. On va voir la parade une dernière fois. Oui, on va essayer parce que normalement on part assez tôt. Oui, le dernier jour, bon, mais on va rester un peu plus longtemps. Finir avec la parade. On va regarder Million Splashes. Oui, voilà. Peut-être qu'on refera le pays des contes de fées pour voir. Oui, oui, parce que je voulais aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de monde. Pour revoir les nouvelles scènes, et puis on verra ce qu'on fait d'autre, hein. On mangera et tout ça. Mais voilà. Super journée. Oui. Très très belle journée. Toujours ici. Voilà. Nous, on va vous dire au revoir du coup. Ciao.